Voilà, ça, vous le connaissez, c'est Barbara. Barbara Pravi, elle chante excellent. Excellent. Alors, vous le connaissez ou non Vous savez, elle est née en France, euh, 1993. <laughs> euh, ma fille Morgan avec quelques mois de différents, vous voyez. Euh, Barbara Pravi est française, elle est née en France, mais des parents iraniens. Et serbe alors il est moitié iranien perse euh, moitié serbe et euh, totalité français voilà euh, vous le connaissez il chantait très bien formidablement alors, vous savez euh, puisqu'on parle de manifestation en, en iran et tout ça on va rendre hommage à ces hommages à peuple euh, qui est en train de résister depuis 43 ans, chaque année des manifestations, chaque année de perte euh, de vie humaine. Et pourtant, vous savez, il y a des gens comme Barbara Pravi et beaucoup d'autres. Au NASA, aux États-Unis, il y a environ 1500 chercheurs perses iraniens. 1500. Firuz nadiri, il est parti en retraite, c'est lui qui a géré deux fois le voyage vers le mars mars. et partout vous avez des gens qui ont pu réussir dans leur vie. ici à paris, nous avons environ 40 à 50 journalistes, perses, filles et garçons, et environ 500 à 1000 Personne, le médecin numéro un, un des conseillers Macron, euh, concernant le corona, c'est un iranien. Alors... Euh... Dans la plupart des chaînes d'info, de temps en temps, les gens que vous écoutez, il y en a beaucoup des Iraniens, je ne veux pas les nommer les gens puisqu'il y en a énormément. Mais depuis hier, je suis tellement content euh, puisque je viens d'apprendre, ça s'était fait le 25 novembre. 25 novembre, euh, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui le 27, voilà, il y a déjà deux jours. Jeudi, et surtout que jeudi, j'ai mon émission de télévision en personne qui est diffusée dans le monde entier. À 15h, mon émission, ça se termine. Et à 16h, à, à, pardon, à 16h, ça se termine. Ça commence 15h, heures, 16h. Heures. Et à 17h, je suis informé. Cette information était assez énorme par rapport à tout, tout ce qu'on a pu entendre de, 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 depuis des années. Les conseillers d'Obama, 4-5 personnes, étaient personnes iraniennes. Actuellement, dans le cabinet de Biden, il y a des Iraniens. Euh, voilà, tout ça, il y en a. Nous avons des maires iraniens. Monsieur Bahtiar, euh, il est maire était notre invité aussi ici, euh, mes chers amis, Zartouch de Et en France, nous en avons euh, moins de 10 maires iraniens en plus, euh, conseillers, nous en avons. Mais ça, l'information que j'ai appris, il y a déjà deux jours, et même jusqu'à hier, n'était pas encore figuré euh, sur l'Internet. Et j'ai dit, oh là là, si je vais annoncer ça, les gens ne vont pas trouver sur l'Internet. Ça va être un peu compliqué, ils ne vont pas croire, euh, puisque le doute existe toujours. Alors, Norvège. Norvège, vous le connaissez, c'est un pays qui est géré en bon, monarchie. Norvège, euh, euh, le parti travailliste. Euh, il gagne l'Assemblée nationale, le Parlement de ce pays-là. Et le président du de Parlement devient un ami, un Iranien, un jeune garçon, un médecin de 39 ans. Il s'appelle Masoudé Garahani. On dit Garakhani. C'est Massoud Garakani, voilà, depuis déjà euh, moins de deux jours, deux jours, voilà, dans dix minutes ça fait deux jours. Euh, euh, il préside le Parlement de Norvège. Je le félicite à partir d'ici, puisqu'il parle également français, euh, anglais, allemand, et... iranien. C'est un brave garçon. Euh, nous étions, j'étais surtout toujours fier euh, à lui. Aujourd'hui, je suis tellement ravi. C'est pour moi, c'est comme Morgan à gagné ce siège, la présidence de Parlement de Norvège. Ça, c'est très important. Et voilà, je voulais le partager avec vous, Et Massoud. Je te félicite, tu le mérites. Il avait cinq ans quand il est venu à Paris. Non, après. Il est parti <laughs> à Norvège, à Oslo, à Oslo euh, capitale de Norvège. Euh, le parlement euh, norvégien a siégé. Euh, lui, membre de parti travailliste depuis des années. Alors, euh, avant-hier, il est devenu président. Je le félicite. Je félicite tous les têtes qui pourront bien aussi. Euh, leur vie euh, dans le monde entier, n'importe où qui, qui, qui soit, les gens qui travaillent, et ils méritent d'obtenir euh, des choses assez importantes. Ça, c'est vraiment euh, euh, admirable. C'est admirable. Et nous, on est tellement ravis. Moi, comme un Iranien, comme un Perse, euh, et quand je vois mes compatriotes euh, ont gagné comme ça euh, leur vie, euh, alors euh, je suis tellement ravi. Hein, tellement ravi. Et, et je les félicite, j'avais déjà parlé avec vous, par exemple, vous connaissez Beverly Hills. Beverly Hills, euh, de, pendant plusieurs années, le maire de Beverly Hills... Jim Delchad, c'était un Iranien. Un Iranien, il était maire de Beverly Hills. C'est ça qui est très intéressant. Quand vous voyez des amis, il réussit dans le monde entier et il siège où. C'est important, même pour l'humanité, on peut dire. Pour l'humanité, c'est très important. Pourquoi Puisque les endroits comme le Parlement, euh, la justice, ou je ne sais pas où, c'est très important. Voilà. Euh, toutes mes félicitations, Massoud Karahani.